Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à déclencher la petite cloche de notification. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto et aujourd'hui je vais vous parler de Flokinu. Le Flokinu actuellement qui a 460 millions de market cap, qui a perdu une bonne partie de sa market cap. En un mois, on peut voir, hein, le graphique est très très moche, hein, on peut voir que le pump qu'il a eu, mais est en train de se stabiliser vers les 460 millions, exactement, on peut voir, hein, on peut voir que c'est un bon point d'entrée. Pour ma part, je pense que je vais en acheter un peu plus, hein, je vais essayer d'avoir un très bon bail du Floki. Car le Floki, c'est le même coin qui me plaît pour l'année 2022, comme je vous ai dit, hein, le Floki et le Dogecoin. Dogecoin, je ferai une autre vidéo parce qu'il y a eu quelques news concernant le Dogecoin via Tesla et Elon Musk. Ça va être très bien par rapport à ça. Donc le Floki actuellement, comme je vous ai dit, hein, 460 millions de market cap. Point de vue holder, sur la Binance Smart Chain, on a 339 000 224 adresses, ce qui est pas mal, hein. C'est des adresses, bon, les holders, on peut pas exactement, mais ça nous reflète un peu le nombre de holders qu'il y a. Point de vue news, le Flokinu, il y a un giveaway, 5 giveaways pour 5 gagnants, le 17 janvier, pour lier à Naples, hein. Annoncé ce lundi, vu qu'il sponsorise Naples et plus de 5 clubs, hein, exactement, si je ne me trompe pas, plus de 5 clubs qui sponsorisent. Donc par rapport à ça, on peut voir des tweets, voilà, everyone talk about Doge, tout le monde parle de Doge, mais tous les yeux sont sur Floki, hein. C'est vrai que Floki, ça reste une crypto vraiment, vraiment très intéressante, comparé, bon, à. Tout le monde parle du Shiba, mais Floki, pas oublier qu'il y a le côté, il y a la communauté, il y a le côté burn, pas burn, mais il y a les taxes qui permettent que la crypto, ce token, prend de la valeur sur le long terme. Et sachant que voilà, le point d'entrée actuellement est vraiment, vraiment sympa, hein, 460 millions, sachant qu'elle a atteint les 0,003, on peut voir qu'on a 0,007, il peut faire un x10, hein. Il peut faire un x10 facile. Donc c'est pour ça que je pourrais mettre un bon bag. Je pense que voilà, hein, je vais mettre j'en aurai acheté pour 200, 300, et les garder, hein. J'en ai déjà, mais là, si à ce prix-là, ça se loupe pas, hein, sincèrement, ça se loupe pas, on peut voir. On peut voir exactement. Pour un BNB, on a combien? Un BNB, on a 6 millions de Floki, hein, c'est vraiment sympa. Après, comme je vous ai dit, l'important c'est d'acheter tout d'un. Pas d'un. Le plus important c'est d'acheter par partiel, quand ça dump, quand ça monte. Il faut savoir bien gérer son capital, hein, par rapport à ça, comme je vous ai dit. Toujours récupérer l'investissement principal. Pour être gagnant dans la crypto-monnaie, c'est super important. Point de vue news, bah, à part tweeter via les équipes qui sponsorisent, rien de spécial actuellement. On peut voir quelques tweets de certains influenceurs. On peut voir aussi, voilà, le Floki a été très très demandé. Il y a Ahmed Jaff, un gars qui travaille pour l'ABC News, bon, formé producteur par ABC News. Il tweet, voilà, on les tweet concernant Floki. Il y a eu même un article concernant le Mirror Mag, concernant le Floki. Ils disent que voilà, le Floki, contrairement à d'autres Bitcoin, bah, il a intégré Shiba Swap, c'est vrai par rapport à ça. En plus, ils ont eu un partenariat avec Valhalla, basé sur les NFT, bah, les jeux comme NFT, comme Axie Infinity, hein, vous voyez, par rapport à ça. Et voilà, c'est un peu le. Si ceux qui ne savent pas, c'est un jeu, hein, de type Play to Earn qui permet aux joueurs de recevoir des NFT. Donc ça va être sympa, hein, sincèrement, ça va être sympa l'année 2022, point de vue crypto-monnaie et point de vue projet pour certains cryptos et surtout pour le Floki.
Ça peut être très très intéressant de voir comment ça peut évoluer. On est vraiment bas, hein, sincèrement, on est vraiment vraiment bas. Dites-vous que voilà, hein, 4 milliards de market cap pour un même coin comme ça peut le faire. S'il y a une réelle communauté, bien sûr, les tweets d'Elon peuvent jouer, mais il y a le projet derrière. En plus, les sponsoring avec les grands clubs comme Bayern Leverkusen ou Naples, ça a une importance énorme, hein, C'est une image mondiale et surtout dans le football aussi, hein, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas énormément de crypto, de meme coin, de shitcoin qui le font. Donc c'est pas un cliché. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao, ciao.